Madame, vous êtes là, j'ai l'impression que vous êtes avec vos enfants, pourquoi ? Parce que s'il y a un moment où se mobiliser, je crois que c'est maintenant. On sait maintenant de quel futur, à quel futur on peut s'attendre si on continue sur cette ligne droite de la surconsommation, de l'utilisation des énergies fossiles. Les enfants aussi le savent. Ma fille l'autre jour lisait dans Okapi qu'en 2050 il y aurait plus de plastique que de poissons dans les océans. Elle m'a dit, maman, mais en 2050 j'aurai ton âge. Et là je me suis dit, ils le savent, on le sait, personne ne fait rien. Enfin, moi, je travaille dans l'environnement, donc même si je fais des choses tous les jours, je vois bien que ça ne va pas assez vite. Et donc, on s'est dit naturellement que c'était logique de venir se joindre à cette marche pour le climat. Et lorsque vous voyez là cette forte mobilisation, ça vous rassure un petit peu ? Ça me rassure de voir qu'à travers le monde, parce qu'il y a aussi plus de 30 pays qui se sont mobilisés, les jeunes se mobilisent. Demain aussi, ce sera tout le monde, parce qu'il y a aussi les adultes qui sont amenés sur différentes marches pour le climat à se mobiliser. Je pense que je crois beaucoup au mouvement citoyen. Bien sûr, le rôle de chacun est important tous les jours pour, et je pense qu'on est beaucoup à modifier nos modes de vie pour ça, mais c'est tout le système qui doit changer et là, pour le coup, les gouvernements doivent se bouger parce que c'est la planète, en fait, c'est notre maison, comme on le dit souvent. Et c'est pas simplement les animaux, la planète, nous, on fait un tout. La planète sans nous, elle vivra très bien, mais par contre, nous, on va dépérir si on la détruit. S'il y avait une action prioritaire à mettre en place, là, tout de suite, pour essayer d'améliorer cette planète, quelle serait cette action, selon vous ? En finir avec les énergies fossiles. Il y a une marée noire qui est en train de se préparer encore en Atlantique. Je crois qu'il n'y a plus besoin de démontrer que c'est vraiment un gros problème. Les énergies fossiles, le pétrole, ça pollue la mer, ça pollue l'air, ça crée des maladies. C'est ce à base de quoi on crée le plastique qui n'en finit pas de se déverser sur notre planète, dans les océans, qu'on ne recycle pas assez et qu'on a dans nos corps aussi sous forme de microplastique. Donc je pense que c'est une des choses les plus importantes. Mais ça passe aussi... cette transition, parce qu'elle va prendre peut-être un peu de temps, par le fait que chacun aussi utilise avec parcimonie tous les véhicules qui utilisent ce type d'énergie fossile. Ça passe aussi par le fait que c'est pas normal que le train soit plus cher que l'avion. Il faut en arrêter avec ça, il faut arrêter avec cette logique. Voilà.